C'est un fait et je ne suis pas certain que ça soit un choix délibéré. Je dirais que nécessité fait loi et que effectivement une majorité des demandes d'aide, j'aurais tendance à dire même d'appel au secours au plein sens du terme, sont relatives précisément non pas à des factures impayées mais à l'impossibilité de régler des factures de la part d'un nombre de plus en plus important de personnes et de familles, avec une précarité énergétique qui se propage, malgré effectivement une mobilisation des CCAS dans la proximité, des différents acteurs, et ils sont nombreux, associatifs, institutionnels, malgré les premières dispositions de la loi de transition énergétique qui définit l'accès à l'énergie comme un droit, qui définit l'énergie comme un besoin de première nécessité. Peut-on continuer à appliquer une TVA à 20% sur un produit de première nécessité? Et la loi de transition qui définit aussi dans le logement la question de l'efficacité énergétique comme un facteur, comme un élément de la décence du logement. Donc face à ces constats et face à la mobilisation qui, malgré qu'elle soit énorme, ne permet pas d'endiguer effectivement ce mal qui se propage, il faut et des moyens nouveaux et des dispositions de la part des pouvoirs publics, voire de la part des fournisseurs d'énergie, des mesures qui soient véritablement à la hauteur des enjeux. Parce que comment peut-on imaginer réussir la transition énergétique si 12 millions de personnes restent sur le bord de chemin et n'accèdent pas normalement à l'énergie, notamment au chauffage? Alors tout d'abord, je suis très heureux d'être au nom d'EDF présent à la remise de ces trophées solidaires pour l'UNCAS. C'est un partenariat de confiance que l'on a avec l'UNCAS depuis de nombreuses années, que nous allons d'ailleurs renouveler l'été prochain avec Joël Martineau. Ça m'évoque en fait simplement la double dimension de ce partenariat. Bien sûr des relations de confiance qu'on a tissées depuis très longtemps au national avec l'Union, mais aussi un travail de terrain quotidien entre nos 300 agents dédiés à la solidarité dans nos équipes solidarité en région, dont les correspondants solidarité, et les CCAS, les centres intercommunaux aussi d'action sociale, les unions départementales de CCAS avec lesquelles nous essayons d'innover en permanence pour essayer de trouver la meilleure solution pour accompagner les ménages en difficulté, pour prévenir cette précarité énergétique qu'on a tous envie de faire régresser en France, mais qui nécessite effectivement un travail collectif entre nos correspondants, nos équipes et puis vous, les travailleurs sociaux des CCAS qui sont en première ligne face à cette précarité. La caravane des énergies, c'est donc une sensibilisation à la précarité énergétique, il faut quand même que je le dise, et qui a notamment pour objectif de mettre en relation des acteurs institutionnels tels que l'ADEME, l'ADIL, des services dédiés et les CCAS du Doubs. Elle favorise ainsi le décloisonnement entre des experts des questions de précarité énergétique et les professionnels du travail social, et ça c'est important. Elle permet également sur le territoire du Doubs de créer des coopérations qui se déclinent ensuite dans des actions communes. Et nous avons par exemple une association qui s'appelle Envie, qui est une entreprise d'insertion, qui en proposant la lecture de qualité énergétique d'appareils électroménagers
a pu, sur le territoire, se faire connaître et ainsi obtenir des dépôts pour son électroménager. Nous avons aussi été contactés alors, par un centre permanent d'initiative pour l'environnement qui va mener conjointement des actions avec un pôle d'équilibre territorial et rural durant la semaine de présence de cette caravane des énergies sur Baume-les-Dames. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut dire aussi, que nous avons comme partenaire important sur cette caravane, EDF Solidarité, AG2R La Mondiale et la ville de Besançon. Des synergies qui travaillent toujours dans le même sens pour aider nos concitoyens, enfin les habitants du Doubs, à lutter contre cette précarité énergétique. Bah, disons que c'est peut-être un chiffre qui a déjà le mérite d'exister, mais qui devrait quand même être plus important. Ce qui est un peu notre centre d'action, c'est vraiment le traitement des causes plus que des conséquences. Et donc, c'est vraiment par la rénovation des passoires énergétiques, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, donc les logements très énergivores, qu'on arrivera à sortir un peu des problématiques de la précarité énergétique. Donc, je pense que c'est bien, mais il faut le renforcer. Et pour nous, c'est vraiment un acteur majeur, parce que c'est l'acteur qui est auprès des ménages qui sont les plus en difficulté et qui peuvent vraiment jouer un vrai rôle de donneur d'alerte aux acteurs de la rénovation, aux techniciens, et c'est vraiment très important pour nous qu'ils soient vraiment au centre de tous ces dispositifs-là. Je ne suis pas surpris qu'il y en ait 15%, ce qui me surprendrait, c'est plutôt qu'il n'y en ait pas plus, parce que je pense que la trêve hivernale, d'abord, outre qu'elle a quand même permis de ne pas couper pendant la période la plus difficile pour nos concitoyens en difficulté, c'est-à-dire quand il fait froid et quand il fait sombre. Mais en tous les cas, c'est aussi une période pendant laquelle on doit être capable de pouvoir anticiper sur ce qui se passera à la sortie de la trêve hivernale. C'est le sens de ce que je fais ces jours-ci, puisque j'ai envoyé un communiqué à la presse hier, et je suis rappelé par beaucoup de journalistes, et je leur dis toujours que ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est qu'il faut utiliser ces 15 derniers jours pour prendre des dispositions. Si on sent qu'on est en retard de paiement, c'est aller voir le CCAS, c'est demander à son opérateur si on peut avoir un échelonnement, c'est voilà, toutes ces choses-là qu'on peut faire, pas que c'est simple, mais en tout état de cause, ça permet d'anticiper un petit peu cette période qui peut être difficile quand on viendra couper. Donc je pense effectivement que ce travail pour les CCAS est important d'être fait plus tôt. Et nous, notre accès aux médias nationaux, c'est justement pour les aider, c'est pas pour leur dire aux gens précipitez-vous dans les CCAS, mais c'est leur dire quand même, hein, allez tout de suite, parce que mi-avril, quand on va menacer de vous couper, il sera trop tard. Je ne suis pas du tout étonné de cette situation, puisque le phénomène de précarité énergétique touche de plus en plus de Français. Aujourd'hui, c'est près d'un Français sur 5, 12 millions de personnes qui montrent et qui démontrent que la précarité énergétique est durement et longuement installée, qu'elle touche tous les strates de la société, tous les territoires, et donc ce n'est pas étonnant que les CCAS soient aussi fortement sollicités. Un phénomène nouveau, c'est que de plus en plus de jeunes sont touchés par la précarité énergétique. Donc on voit qu'il y a nécessité à développer des politiques publiques, bien sûr traiter la question sociale par l'aide au paiement des factures, mais au-delà, faire reculer le phénomène en rénovant énergétiquement les ménages qui sont en situation de précarité énergétique, qui vivent dans des logements insalubres, dans des logements passoires énergétiques. Après, il faut se dire que le prix de l'énergie qui n'a fait que croître ces dernières années, si on prend que l'électricité, c'est plus de 30% ces dernières années, peut emmener des nouvelles populations dans la précarité énergétique. On dit que 10% du prix, de l'augmentation du prix de l'énergie peut entraîner 450 000 familles supplémentaires en précarité énergétique. Sur la ville de Saumur, on a bien évidemment connaissance des personnes qui sont en difficulté, soit par les listes que nous fournissent les fournisseurs d'énergie, en général, que ce soit l'eau, l'électricité ou le gaz. Et puis, on a aussi une autre porte d'entrée qui est celle
des commissions de secours, et ce sont les assistantes sociales qui constituent un dossier, qui nous envoient un dossier pour qu'on puisse étudier, voir si on peut faire de l'aide aux personnes qui sont en trop grande difficulté pour payer leurs factures. Donc on a, principalement ces deux portes d'entrée, outre le fait qu'on a pu nous constater qu'on avait 1700 foyers sur la ville de Saumur qui étaient en situation de précarité d'énergie. Donc ça c'est vraiment nos deux portes d'entrée, et ensuite pour les accompagner, pour les aider, on reprend contact avec les personnes de façon à ce qu'elles ne restent pas dans cette situation de facture impayée. Alors, disons qu'il y a des dispositifs ou qu'ils viennent nous voir, ou on les réoriente parce qu'on est une petite équipe. On ne peut pas, apporter la réponse, de façon d'étude du dossier social de chaque personne. On les réoriente vers leur assistant social de façon à ce qu'ils puissent constituer un dossier et mieux connaître l'ensemble des dispositifs. Donc, nous, vraiment, les assistants sociaux sur l'ensemble de la ville sont informés des dispositifs qu'on a déjà mis en place. On vérifie à chaque demande d'aide que les gens bénéficient bien du tarif de première nécessité à l'énergie, aux énergies, électricité et gaz. Et si ce n'est pas le cas, un travailleur social les accompagne concrètement dans la mise en œuvre de ces droits. Ils sont encore nombreux à ne pas accéder aux tarifs sociaux et ne pas en avoir connaissance. On apporte aussi les informations au travers les ateliers collectifs participatifs qui peuvent être mis en place. Et là encore, on vérifie que la méconnaissance de nombreuses personnes par rapport à ces droits. C'est bien, 6 et 16 sur 10, c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant, il faut faire davantage. Il faudrait que les présidents de CCS parlent aux maires qu'ils sont, pour faire en sorte que les territoires sur lesquels interviennent les CCS portent également des actions ambitieuses de réduction des consommations sur leur territoire, de consommation d'énergie, en particulier les énergies fossiles, et accompagnent les personnes les plus en difficulté dans des projets de rénovation. On sait bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et il faut que les territoires réussissent à faire des économies sur leurs factures, leurs propres factures, et réinvestissent ces économies générées par les travaux et les rénovations qu'ils peuvent engager sur leur territoire. Et ça passe aussi par des actions de sensibilisation, des actions de participation ou d'actions participatives avec les habitants. Et puis il faut que les bailleurs, l'ensemble des bailleurs, privés et publics, jouent le jeu et rentrent dans cette logique vertueuse pour tout le monde. Une logique qui est bonne pour le territoire, une logique qui est bonne pour les habitants et qui est bonne aussi pour l'économie, puisque ça générera de l'activité qui n'est pas délocalisable par essence sur ce grand chantier qu'est la rénovation énergétique, qui devra forcément être l'enjeu, qui est un enjeu pour aujourd'hui et qui est un enjeu pour demain, pour être à la hauteur du défi qui est devant nous et de faire réduire durablement les factures et agir clairement sur les situations que rencontrent les habitants les plus modestes.